accéder. C'est-à-dire, comment pouvoir de parvenir à toutes les bénédictions que Paul nous parle, toutes ces bénédictions spirituelles qui se trouvent dans les lieux célestes en Christ. Nos bénédictions ne se trouvent pas terre à terre. Il y a tous les chrétiens qui disent, ah, oh, ma bénédiction, c'est mon compte en banque, gloire à Jésus. Ah, ma bénédiction, c'est de recevoir un jour un héritage. Ma bénédiction, c'est mon salaire. Ma bénédiction, ce que je dois faire comme projet. Mais j'ai compris quelque chose, que la Bible dit seulement la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit, frères et sœurs. Je dis que seulement la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit, frères et sœurs. Quelqu'un peut gagner des richesses incertaines que Paul parle, il peut devenir pauvre. Déjà, s'il n'est pas le Christ, il est pauvre. Il y a des gens qui ont gagné ça, qui étaient des milliardaires, un peu partout dans le monde. Ils sont devenus des pauvres. Tout simplement parce que ces bénédictions ne venaient pas de l'Éternel. Alors ce matin, nous allons voir sans plus tarder comment accéder, comment nous pouvons avoir accès pour pouvoir parvenir, arriver à ces bénédictions spirituelles dans l'Église de la Sainte Christ. Est-ce que vous voulez arriver à atteindre ces bénédictions? Vous allez me dire, bien sûr, pas la foi. Mais la foi, ce que j'ai compris, j'ai dit, la foi sans les sœurs, il montre. Nous avons besoin de comprendre quelles sont les sœurs de la foi que nous puissions le mettre en exécution. Si vous me suivez là. La foi sans les sœurs. Il y a beaucoup de personnes qui nous allaient demander, tu vois, oui, moi je crois, je crois. Mais les sœurs, nous voyons que ça contredit leur foi. Ce n'est pas la vraie foi. Alors ce matin, nous allons voir ce que le Seigneur nous montre, comment parvenir à ces bénédictions, comment les déclencher sur dans les lieux célestes pour les emmener sur la terre. Allons lire dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Et ceux qui ne savent pas le passage concernant les bénédictions dans les lieux célestes en Christ, c'est Éphésiens chapitre 1er. Je vous invite de lire cela chez vous, là où Dieu le Père nous a bénis. Paul dit, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous allez trouver cela dans votre Bible, dans le premier chapitre d'Éphésiens. Et ce matin, nous allons voir comment accéder à ces bénédictions. Éphésiens chapitre 3, verset 20, vous allez trouver? Est-ce que tout le monde a trouvé? Nous faisons la lecture. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Dis avec moi, par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons et nous disons aussi où nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église. En Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle de siècle. Amen. Dieu peut faire au-delà. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire au-delà ce que vous avez aujourd'hui? Amen. À tout le monde. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire au-delà ce que vous avez aujourd'hui? Amen. Seulement ce que tu as. C'est-à-dire, ne t'arrête pas à ces quelques bénédictions que tu as connues. Mais tu dois comprendre que Dieu, il fait les choses au-delà de tes pensées. Mais ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, Dieu pourra faire descendre ces bénédictions dans notre vie, ce que nous aurons besoin
pour notre famille, besoin pour l'œuvre de Dieu. Cela va être relâché. Nous allons pouvoir les faire parvenir à travers nos pensées. Qu'est-ce que je dis à travers? À travers nos pensées. La Bible dit que le peuple d'Israël, autrefois, ils honoraient Dieu sur le bord de leurs lèvres, mais le cœur, c'est-à-dire leurs pensées, témoignaient de Dieu. Partis, on peut présenter le corps absent d'esprit, c'est-à-dire notre esprit ailleurs. Quelqu'un peut être dans un lit ensemble, côte à côte, mais très loin, peut-être en métropole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Mais si pensez une personne. Parfois, on parle avec une personne, jamais mort, et tu dis, excuse-moi, j'étais à ailleurs. Il y a donc trop de chrétiens sont ailleurs. Ailleurs, il n'y a que ailleurs. Il n'y aura rien. La bénédiction de Dieu est là dans ce lit. Chaque fois que je viens dans la présence du Seigneur, chaque fois que nous demandons quelque chose, je pense que Dieu, il va me punir au-delà. Si je demande 1000 euros, il va me donner plus 1000 euros. Si je demande la guérison pour une maladie, il va me donner la guérison pour deux maladies. Ou trois même. Si vous êtes là, Dieu peut faire au-delà. Elle seule qui était guérie dimanche matin, elle est venue me voir en disant, apôtre, est-ce que le Seigneur peut me donner une deuxième guérison aujourd'hui? Mais le Seigneur peut donner une troisième, quatrième guérison si tu veux. Mais si tu penses que tu es guéri, tu es guéri. Tu sois fait selon? Selon ta foi. Selon que tu penses que tu es guéri dans les maîtres du Père. Amen. Est-ce que vous commencez à devenir riche là? Si vous ressentez vous-même, est-ce que vous commencez à dire que je pense à je vais prospérer. Amen. Mais si tu ne penses pas, tu vas rester comme ça même. Et c'est dommage. Il y a trop de chrétiens qui se sont renfermés avec leur propre idée, avec leur propre message, avec leur propre, leur propre enseignement. Et j'en fais leur propre message, croyez-vous. Oh, ils ont dit non, tu sais. Dieu ne veut pas que tu prospères, Dieu ne veut pas que tu sois béni, Dieu ne veut pas que tu puisses devenir quelqu'un qui soit un millionnaire ou milliardaire. Ah, tu vas abandonner le Seigneur, mais les pauvres aussi, frères et sœurs, abandonnent le Seigneur. N'est-ce pas vrai? Ce n'est pas être riche pauvre qui abandonne le Seigneur, mais c'est notre cœur lorsqu'on perd la foi. Alors ce matin, Paul dit que le Seigneur peut faire au-delà. Par notre pensée, par nos pensées, nous pouvons accéder à avoir pouvoir, frères et sœurs, de parvenir à ces bénédictions dans les lieux célestes. J'aime bien ce qu'un homme de Dieu a dit. Il y a trop de chrétiens qui sont dans le problème. Ils cherchent la solution et ils croient que le problème, c'est leur passé. Ils accusent leur passé. Ils accusent leur pardon. Ils accusent et même ils sont dans la culpabilité. Mais cet homme de Dieu a dit que le problème n'est pas notre passé, mais le problème, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées. J'aimerais vous faire comprendre, frères et sœurs. J'ai posé la question à ceux qui étaient là vendredi dans l'école publique. Quelle est la distance qui nous sépare, nous, et la bénédiction du Seigneur? Quelle est cette distance? Ouais, tu étais là, toi. Parfois, on est là, on regarde le ciel, et il y a des gens qui disent, plus que le soleil va me brûler, ah, tu me vois, ah, tu vois que je souffre, tu vas me mener, tu vas mourir. Parce que ton père, il te voit, il te dit non pas d'aller dans le secret, dans le soleil, non pas d'aller sous la pluie, non pas d'aller sur les montagnes, de te fatiguer, mais rentre dans ta chambre, dans le lieu secret, te voir, et c'est là qu'il te rendra. Le secret, c'est pas seulement la pièce, mais c'est le secret de ton cœur, de tes pensées. Quoi que tu penses, le Seigneur peut faire au-delà.
j'aimerais ce matin vous montrer, par la grâce du Seigneur, qu'il n'y a pas de distance. C'est-à-dire que la bénédiction dans les lieux célestes est très 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 loin. Imaginable, imaginable. Imaginable. Comment ces bénédictions vont venir sur la terre? Comment tout ce que Christ nous a laissé de la part du Père, toutes les promesses vont se réaliser dans notre vie? Comment? Un jour, et ça a été confirmé, quelqu'un dit, les Français, la France n'a pas de pétrole, la France n'a pas de l'or, mais des idées. Vous êtes là avec moi ce matin? Mais ce qui m'enrichit aujourd'hui, frère Saint, de plus en plus que le Saint-Esprit me dirige, me montre en disant, ah, bon, la bénédiction se passe, ah, ça arrive comme ça, non, oh, non, je commence à penser. Je commence à penser. Parce que si quelqu'un ne pense pas, si quelqu'un n'a pas de vision, il va périr. Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux dans la vie avec Dieu, ça, jamais tu avances. Si tu ne sais pas aussi qui tu es entre les mains du Seigneur, jamais tu vas commencer. Alors, ces bénédictions que nous pouvons les faire parvenir sur la terre de nos vies, c'est à travers nos pensées. Maintenant, en ouvre, il y a deux endroits, deux sièges des pensées. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a deux sièges en vous des pensées? Qui est conscient? Levez la main si vous êtes conscient. Si vous n'êtes pas conscient, gardez la main baissée. Est-ce que vous êtes conscient? En vous, il y a deux sièges. Il y a deux endroits où siègent les pensées. Nous allons voir ce matin le premier endroit où siègent nos pensées afin que vous puissiez les éliminer. Parce que ce n'est pas le bon endroit. Premièrement, où siègent les pensées, c'est dans le cœur et parfois c'est remplacé, c'est dans l'âme. Les pensées qui siègent dans l'âme, ce sont des pensées charnelles. C'est-à-dire, ce sont les gens qui pensent charnellement. Ah, suivez-moi, et je vais me bousculer un peu ce matin. Si quelqu'un il voit un garçon, il voit une fille. Il pense charnellement pour convoiter la fille, non pas pour un bon but, pour aller plus loin, pour s'engager par le mariage. C'est charnel. Paf, ça casse. Ça mène des gants. Est-ce que ça parle de quelqu'un comme dit quelqu'un ce matin? C'est charnel. Mais ce que nous allons voir dimanche prochain, il faut prendre le deuxième siège où nous pouvons penser, c'est au niveau de notre esprit. N'oublie jamais, c'est notre esprit qui a été régénéré, c'est notre esprit qui a été renouvelé, non pas l'âme. Dans l'âme, vous pouvez encore avoir du désir. Paul dit que le désir de l'âme est contraire à celle de l'esprit. Ce qui fait la guerre à l'homme, ce sont les passions dans l'âme. Ce qui emmène des problèmes dans la société, ce sont les désirs Chanel, les pensées dans l'âme. Avant qu'un homme agit ou femme, il pense. Et quand il pense dans les choses Chanel, dans les choses concernant de la chair, ça va emmener à la mort, ça va emmener à la destruction. Vous êtes là? Si vous êtes d'accord, vous dites amen. Ouais. C'est pourquoi la Bible nous dit, non pas l'esprit qui pêchera, mais l'âme pêchera moi. Et Jésus dit que nous pouvons pécher dans nos pensées. Jésus parle loin disant, or, d'où viennent toutes ces mauvaises pensées, les meurtres, les vols, les adultères, etc. Jésus, concernant tes pensées, il dit, d'où viennent ces mauvaises pensées, c'est du cœur, et le cœur, c'est l'âme.
dans notre esprit régénéré, dans notre esprit renouvelé, on pense les bonnes choses, ce que nous allons voir dimanche prochain. Hein. Dans notre esprit, nous avons l'intuition. C'est pourquoi c'est notre pensée, frère et soeur. Il n'y a pas de distance avec Dieu. Aussitôt que nous pensons que Dieu est là, la puissance de Dieu se manifeste, frère et soeur. On peut chanter, on peut prier, mais si ce n'est pas la pensée de l'esprit, on dit que Dieu est loin. Ça arrive à des chrétiens lorsqu'ils prient en disant je prie, Dieu ne m'entend pas parce que Dieu ne voit pas tes pensées de l'esprit céleste. Est-ce que vous me suivez? Ou siège premièrement, pensée dans l'âme, chandelle. Désir contraire de la volonté de l'esprit. Dans l'âme, c'est impossible d'accéder les bénédictions spirituelles. Jacques, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le bus. Vous pensez pour satisfaire vos propres convoitises. Si on demande au Seigneur, donne-moi une voiture, Seigneur, et cette voiture pour faire la cour. Est-ce que vous avez compris là? Pour faire? Est-ce que vous avez bien satisfait la cour? Enfin, vous connaissez, hein? La cour des filles. Il y a quelqu'un qui a sorti un TikTok disant que maintenant il y a tantine dans la roue. Si on veut la bénédiction du Seigneur, Dieu me donne une belle maison, vous dites les gens, ah regarde ma maison, elle est très jolie, mais cette maison ne sert pas pour la gloire de Dieu. Dieu me donne de l'argent, mais cet argent, on va le gaspiller, on va se divertir. Et chaque jour on demande, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal dans le but de satisfaire dans la pensée de propre convoitise. Jamais, jamais quelqu'un ne va réussir. C'est le contraire. Je suis aujourd'hui triste pour certaines personnes. Ils ont eu des biens. Ils sont partis en fumée. Vous savez, qu'est-ce qui les a poussés, qui les a emmenés d'envoyer tous leurs biens en fumée? Et ça, et certains, ça fait partie, soi-disant, des chrétiens, parce qu'ils ont eu dans leur pensée, ça m'a mis pas dans tel endroit, mis pas dans tel lieu, ça m'a trouvé un joli tantier. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu n'est pas contre. Si tu as un projet de mariage, tu n'es pas contre si tu as besoin d'un homme, si tu as besoin d'une femme, mais ça, ne pense pas à la chaîne. Tu vas regretter et tu seras misérable. Car les pensées de l'âme luttent contre la volonté de Dieu. Quand nous pensons dans l'âme, nous luttons contre la volonté de Dieu, ça, c'est tout à fait normal. Il est impossible d'accéder aux bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La Bible dit, elles sont contraires. Paul dit, elles sont contraires à ceux de l'esprit. Ces désirs sont mauvais. Ça, c'est le premier siège dans l'âme. Dimanche prochain, nous allons voir, ne ratez pas. Dimanche prochain, vous allez voir, frères et sœurs, comment ça va vous aider à prospérer, à avancer dans la vie. Et même pour certains, de corriger certaines erreurs que vous avez faites dans le passé en agissant, en pensant dans l'âme. Jésus dit, là où viennent les mauvaises pensées, c'est dans l'âme, dans le cœur. Maintenant, je vais vous faire comprendre, frères et sœurs, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire ce soir-là. Ce travail-là sera ni un apôtre, ni un prophète, ni un pasteur, ce sera personne d'autre pourra faire ce travail. Ce travail, c'est un travail personnel sur soi-même. Moi, je fais un travail personnel sur mon âme. Parce que notre âme, la chair, elle va toujours nous jouer les retours. Elle va essayer toujours de nous dire, ah oui, ça, mais tu comprends. Et la parole de Dieu, ça, n'accepte pas. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui, ça, dans la vie des chrétiens, et le diable les bloque dans la bénédiction. Le diable défend d'accéder ça, ces bénédictions dans les lieux célestes en Christ, ça, et là, dans les airs, l'ennemi bloque, parce que la pensée, ça, vient pas du bon siège.
Et c'est un siège charnel. Il y a un travail à faire. Ce travail, nous avons besoin de laisser la parole de Dieu agir en nous, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord, allons lire dans Hébreux chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Il y a un travail à faire en nous. Et ce travail, il faut laisser la parole de Dieu qui est agissante de faire cette œuvre en nous. Parce que cette parole, elle est efficace. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée. Pour faire quoi? Plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et un travail fait. J'arrête un moment. Voilà le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, ça ne laisse plus l'épée de l'esprit séparer la vie de l'âme, c'est-à-dire la vie charnelle et avec la vie spirituelle. Parce que dans la vie charnelle, nous ne pouvons pas s'aimer dans les choses spirituelles, parce que ces bénédictions, c'est spirituel. Quand on parle spirituel, c'est esprit. Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs? Si vous ne comprenez pas, demandez au Seigneur de vous faire comprendre. Il faut la comprendre. Sinon, vous allez perdre tout ce que Dieu a promis pour vous. Et l'apôtre dit, pour séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire la parole de Dieu, quand elle juge, elle discerne en disant, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ah, il y a seul amen. Il y a des gens parfois quand Dieu leur parle dans la Bible, Jésus, il ferme la Bible tout de suite. Paf. Ou bien si vous êtes en train de méditer la Bible, Dieu est en train de vous parler, le téléphone sonne, vous fermez la Bible, et puis vous allez prendre un autre passage. Frères et sœurs, il faut rester là. Vous savez, quand Dieu me parle, quand Dieu me saisit, mon épouse elle me voit en disant, ah, le déjeuner, le repas est déjà tiré. Je dis, attends, Dieu est en train de me parler, Dieu est en train de faire un travail dans ma vie. Si moi, je vais Dieu faire ce travail en moi, combien vous pouvez raison, frères et sœurs? Ne laisse pas le diable à l'attention. Le diable vous dit, oh ouais, toi tu es un chrétien, tu connais la parole de Dieu, ah toi tu es un chrétien. Parce que le diable connaît la parole de Dieu, c'est pour moi il veut nous piéger. Lorsque nous laissons l'épée de l'esprit, fais son travail. L'épée de l'esprit, c'est elle qui va séparer, c'est elle qui va faire la part des choses. C'est elle qui va dire, ça c'est dans le premier siège, mais laisse ce qui est dans le deuxième siège qui pourra accéder dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Alors cette parole, la Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Quand la Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui, ce n'est pas ton visage. Ce n'est pas ton nom. Parce que les impôts, ils te trouvent toujours. Vous êtes d'accord? Les impôts te trouvent. Mais nulle créature n'est cachée, c'est-à-dire cette créature à l'intérieur, dans l'âme, la parole de Dieu juge. Cette créature spirituelle, esprit que Dieu a mis en nous, pour nous, pour moi, mon esprit est caché. Personne n'a jamais vu son esprit. Mais on peut reconnaître quand notre esprit est interpellé par la parole de Dieu. On peut reconnaître quand le Saint-Esprit est en train d'agir, de mouvoir dans notre esprit. Parfois on croit qu'on n'a plus l'esprit. Parfois on croit qu'on peut oublier des choses, même la parole de Dieu, même de prier, etc. Mais dans notre esprit, la parole de Dieu nous interpelle.
On appelle ça la voix à l'intérieur, l'homme intérieur. Il y a une créature, mais cachée devant elle. Et la Bible dit ça, que mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je dis avec les étudiants qui étaient là vendredi, une créature est cachée devant Dieu. Quand tu commets quelque chose, même dans le secret, personnellement, personne ne t'a vu. C'est pas la peine de dire, personne ne m'a vu. Je dis, non. Allez devant ton Dieu, en passant par la croix, par le sang de Jésus, dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai mal agi. Seigneur, j'ai mal fait. Seigneur. Parfois, ça peut être que Dieu nous appelle de faire une bonne action, on fait une mauvaise action, mais on ne le fait pas. Parfois, tu te dis, il faut donner ton offrande, et puis Dieu m'offre. Dimanche prochain, notre dimanche, etc., mois prochain, etc. Non, allez devant Dieu, la parole t'interpelle. Ne laissez pas la chair te gagner. Parce que la parole de Dieu, elle te retrouvera toujours. Amen. Allez, ça tu veux, la parole de Dieu te retrouvera toujours. Il y a des gens qui ont fui la parole. Ils ont dit, moi je vais quitter mon pays. Parce que tous les jours on parle de Jésus, on parle de la parole de Dieu. Je veux vivre dans un autre pays. Et voilà quand il sort de l'aéroport, il rentre dans le taxi. Et le taximan parle avec lui, avec cette personne, en disant, avec cet homme, en disant, est-ce que tu as entendu déjà parler de Jésus? Il dit, oh, c'est pas vrai. Et c'est l'épée de l'esprit qui fait son travail. Parce que Dieu nous aime, frères et sœurs. Dieu nous aime. Dieu veut notre bien, frères et sœurs. Il y a le lait, il y a le miel que Dieu a mis à notre disposition encore. Mais nous avons besoin d'entrer, frères et sœurs, avec cette pensée qui connecte avec Dieu. Et la pensée de l'âme ne connaît pas. Deuxième travail. Nous avons besoin d'emmener deux pensées captives. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devions prisonniers de toutes ces pensées. Il faut rendre prisonnière toutes ces pensées. Ces pensées de l'âme qui a le désir contraire du sein de l'esprit, nous devions aller prisonniers de nous. En disant non, toi tu n'agis pas, mais laisse la pensée de l'esprit agir. Parce que nous avons un choix, frères et sœurs. N'est-ce pas vrai? L'homme a le bien et le mal devant lui, nous avons un choix. Il y a la vie et la mort, nous avons un choix, frères et sœurs. Il y a ce qui est bon et mauvais, on a un choix devant nous. Et tous les jours, quand nous réveillons, nous avons un choix. Hein? Et Paul dit, emmenant toutes ces pensées, c'est-à-dire captives, faisons prisonnières ces pensées captives, afin qu'elles obéissent à Christ. Nos pensées doivent obéir à Christ. Dis avec moi sur la terre, les pensées de mon âme doivent obéir à Christ. Les pensées de mon âme doivent obéir à Christ. Peut-être tu es adultère, peut-être tu es quelqu'un violent, peut-être tu es quelqu'un qui dit tu vis dans le mensonge, en main ses pensées captives. Sinon le diable va te détruire. Peut-être tu es quelqu'un dans le secret, tu frappes ta femme, tu frappes ton mari, ou tu insultes tes enfants, en main ses pensées captives ce matin. Prisonnier. Parce que Dieu veut te faire prospérer. Ne laisse pas le diable voleur te voler. La Bible dit rendez à César ce qui appartient à César, mais rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, frères et sœurs. Donnez l'esprit que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le souffle de vie. Dieu nous a donné l'esprit pour être en relation, en communion avec lui. Nous pouvons adorer Dieu dans notre esprit parce que Dieu est esprit. C'est l'épée d'esprit. Si tu as un problème de désir charnel, obéis la parole de Dieu. Si tu vois que le Seigneur te parle, il faut que tu te maries, obéis la parole de Dieu.
Si le Seigneur te parle, tu dois donner ton offrande tardive, obéir à la parole de Dieu. Si le Seigneur te parle, il faut que tu puisses rester dans sa présence pour prier, pour louer Dieu, pour adorer Dieu, obéir à sa parole. Ne laisse plus ces pensées tardives de dire non, moi je ne veux pas. Les autres, ils vont faire. Laisse-moi dire qu'un chrétien agit chanellement ainsi. Il donne le droit à Satan de voler tout. Pas seulement ses biens, pas seulement son argent, pas seulement sa maison, pas seulement son travail, pas seulement sa voiture, mais il donne le droit à Satan même de voler sa vie, son corps. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Est-ce que vous êtes en colère avec moi? Je vous parle comme un père. Est-ce que je vous aime? Dieu vous aime. Dieu veut vous voir prospérer. Moi j'aimerais voir un jour mes frères et soeurs qui arrivent devant l'église en disant: pasteur, tu m'as béni, regarde ma BMW, regarde ma Mercedes, regarde mon tireur, regarde ma maison, regarde ma famille, regarde tout ce que Dieu m'a donné dans mes activités, dans mes entreprises, parce que Dieu veut que nous puissions accéder de toutes ces bénédictions du Satan Mercedes. Parler à l'homme, c'est pour nous édifier. Ce que nous pouvons faire dans le spirituel, chasser les démons, guérir les malades, frères et sœurs, ça c'est pour aider les gens pour accomplir la puissance et l'œuvre de la croix, frères et sœurs. Mais Dieu nous a donné un puits. Dieu nous a donné un puits, frères et sœurs. Et je crois que l'église de la voie du salut, c'est un peuple qui est enrichi par Dieu avant la fondation du monde. C'est un peuple que Dieu a dans son cœur. Si vous n'allez pas entrer dans cette destinée, frères et sœurs, je vous dis quelque chose, Dieu peut m'enlever. Dieu peut m'enlever. Je vais faire ce qu'il veut avec moi. Parce que ma vie ne m'appartient pas, comme votre vie ne vous appartient pas, monsieur frère et soeur. Alors le Seigneur nous dit, emmenant tous ces pensées captives. Alors les prisonniers ce matin, allons dire maintenant, je prends la décision, j'emmène tous ces pensées dans le cachot, je me ferme, parce que Jésus, frères et sœurs, il est la porte, mais Jésus nous a donné les clés. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Il a dit, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que je suis en train de vous parler ce matin, ce sont les clés que le Seigneur m'a donné. J'ai plus besoin de supplier le Seigneur. Envoie un nouveau bâtiment. J'ai plus besoin de supplier le Seigneur pour voir une nouvelle bénédiction. J'ai plus besoin de supplier le Seigneur en disant: Dieu, tu pourras pour ton âme, Seigneur, c'est toi qui vas bénir. Ah Seigneur, l'offrande de l'église, Seigneur, que l'offrande multiplie, etc. Non, je veux que l'église entre dans la destinée. Que l'église puisse faire tout ce que Dieu vous demande pour accéder à ses bénédictions. Il n'y a pas de distance, c'est dans nos pensées. Et Dieu fait au-delà. Amen. Si tu penses, dimanche prochain, je veux donner ma dîme, là je n'ai pas donné. Dimanche prochain, je vais donner mon offrande, là je n'ai pas donné. Dimanche prochain, je vais donner ma louange, je vais donner mon adoration. Dimanche prochain, je vais donner ce que Dieu me demande de le faire. Et vous allez voir, frères et sœurs, combien Dieu, il va vous enrichir plus. Et non seulement vous, vous serez enrichis, mais vos enfants, vos petits-enfants, et toute votre génération. Parce que la Bible dit, nous sommes la race d'Abraham. Thank you.
sommes là. La race d'Abraham, c'est une race croyante. La race d'Abraham, c'est une race qui obéit Dieu. La race d'Abraham, quand tu dis, offre-moi ton fils, Abraham n'a pas posé de question, mais il a obéi à Dieu. Et la race d'Abraham a une grande postérité bénie. On est béni. Et ces bénédictions sont spirituelles, il faut les convertir dans le naturel. Bénédiction dans la famille. Bénédiction dans ton corps. Bénédiction dans tes projets, dans tes business. Abraham, c'est quelqu'un qui a prospéré et l'héritage est toujours là. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, laisse aucun de mes enfants. Aucun de mes enfants. Écoutez-moi bien, notez ça quelque part. Ne laissez aucun de mes enfants permettre à l'ennemi de voler mon héritage que je les ai donné. Dieu m'a dit, avant que tu viennes jouer au ciel, il faut que mes enfants puissent avoir déjà un héritage derrière pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants. Parce que le diable, c'est le voleur. Mais Jésus, c'est le bon berger. Il a donné sa vie pour ses brebis et il veut que nous soyons en abondance. Amen. Deuxième travail, et nous terminons en pensée captive. Fais les prisonniers, frères et sœurs. Et Paul confirme cela, nous lisons pour terminer dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Est-ce que vous êtes contents ce matin? Est-ce que vous êtes contents ce matin? Alléluia. Paul dit, il a crucifié la chair, c'est-à-dire la vie, le désir de l'âme. Crucifié. Et Paul dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. 2 Corinthiens, pardon, 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, c'est-à-dire qui viennent de l'âme, mais elles sont puissantes, qui viennent de l'esprit, par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Je termine ce matin, frères et sœurs. La seule distance qui nous défend, c'est-à-dire qui nous sépare du moindre, est pour avoir accès, pour avoir le pouvoir de faire parvenir la bénédiction de Dieu dans le Dieu céleste en Christ, ce sont nos pensées. Alors ce matin, réformons, premier siège, les pensées de notre âme. Il faut les emmener prisonniers. Amen. C'est-à-dire, je termine, et dimanche prochain, nous allons voir un deuxième siège, les pensées de l'esprit. Ça, c'est le secret. Ça, c'est la clé. Mais ce matin, il y a un travail à faire. Il faut renverser tous les faux raisonnements. S'il y a des porteresses qui sont en vous, il faut les abattre, afin que vous puissiez accéder. Entrez dans votre destinée de prendre toutes ces bénédictions qui se trouvent dans les lieux célestes en Christ, de les emmener dans le royaume de Dieu qui est parmi nous. Amen. Amen. Je vous invite à mettre debout votre place. Je invite la chorale de s'approcher. Dieu est en train de me parler ce matin. Ne devions plus prendre les choses à la légère. C'est-à-dire, je veux, je ne veux pas. Et ce matin, Dieu a dit, Seigneur, je veux. Ce matin, vous avez dit, Seigneur, je suis décidé. Je suis décidé, Seigneur. Je suis décidé, Seigneur, de rendre ces pensées captives. De les prisonniers ce matin. La chair ne mérite pas et le sang ne mérite pas le royaume de Dieu.
La chair fait toujours opposition à la volonté de Dieu. Allons ce matin. Dans nos pensées. Parce que tous les êtres humains pensent. Mais ce n'est pas tous les pensées qui les relient avec Dieu ou avec la vérité. Et les chrétiens ne sont pas connectés avec Dieu parce que c'est les pensées de l'âme. Les pensées de l'âme ne peuvent pas. Dieu, quand il est venu, frère et soeur, nous rencontrer, ce n'est pas dans notre âme, mais c'est dans notre esprit. C'est dans ton esprit, dans les pensées de ton esprit qui était morte, il a donné la vie, il a ressuscité ton esprit qui était mort. Et il est venu pour sauver ton âme. Il ne veut pas que ton âme un jour puisse aller dans cette vie charnelle, dans cette vie démoniaque. C'est pourquoi les gens parfois, lorsqu'ils sont dominés par un démon, ils sont influencés parce que leur âme, le désir de l'âme a submergé la vie de l'esprit. C'est pourquoi Paul dit, nous devons avoir le désir de l'esprit, nous attacher, pensons. Le désir de l'esprit. Celui qui s'affectionne à la chair, c'est la mort. Mais celui qui s'affectionne à l'esprit, c'est la vie. Je veux que tu vives ce matin. Je veux que tu vives ce matin. Il y a le démon. Tu as arrêté totalement ce matin de vous ennuyer, de vous ennuyer et de vous voler. Prends la décision. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je me tiens devant toi. Je me tiens dans ta grâce. Parce que c'est ta grâce, Seigneur. Tu m'as sauvé. C'est ta grâce, Seigneur. A fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Seigneur, je suis conscient que tu n'as pas arrêté de me bénir. Je peux dire ce matin, Seigneur. C'est seulement un dixième que tu m'as donné. Mais tu veux me bénir 100%, Seigneur. Tu veux me rassasier, Seigneur. Dans tous les domaines de ma vie, Seigneur Dieu. Tu veux rassasier ma famille, Seigneur Dieu. Tu veux rassasier mes enfants, Seigneur. Tu veux rassasier mes petits-enfants, Seigneur. Alors, Dieu, je veux réformer. Cette première fois, Seigneur, je ne peux plus penser selon l'âme, afin de ne pas satisfaire le désir de l'âme. Mais je veux ce matin, Seigneur, prisonnier, Seigneur, tous ces pensées qui n'obéissent pas à Christ, afin que je puisse accéder, Seigneur, dans les pensées de l'esprit, pour pouvoir attirer vers moi, Seigneur, vers ma famille, vers l'Église, Seigneur, toutes ces bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je sais, par le sang de Jésus, je suis lavé. Je suis pardonné, je suis libéré. Maintenant je sais, par le sang de Jésus, je suis dans une nouvelle route, je suis dans une nouvelle voie, je suis sur la voie de la prospérité, la voie du bonheur, la voie de la réussite. Je sais maintenant, Seigneur, quoi que je demande, je pense, tu peux faire au-delà, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision de penser avec ta parole, Seigneur, avec tes promesses, Seigneur. Je vais m'appuyer sur ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, je dis maintenant, la chair a été crucifiée avec Christ à la croix. Et maintenant, je suis quelqu'un ressuscité, 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 ressuscité en Christ. Là où je suis béni, là où je suis béni, dans le lieu céleste, là où je suis béni, là où je suis béni, Seigneur.
soit la gloire, Seigneur. À ton honneur, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous voulez penser ce matin à accéder ça, de toutes ces bénédictions de l'Église Céleste en Christ? Alors maintenant l'exercice et pensez de l'Esprit. Alléluia. Et nous allons terminer avant de prier pour ce requête. Nous allons louer le Seigneur. Amen. L'âme ne veut pas, non? Oui, mon âme. C'est pourquoi David, cet homme, dit, il a son esprit. C'est son esprit qui parle. Dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, réveille-toi. Mon âme loue l'Éternel. Amen. Ce matin, si tu vois, si tu veux accéder à la bénédiction du Seigneur, dis avec la parole de Dieu, mon âme, tu dois obéir à Dieu. Mon âme, tu dois louer Dieu. Alléluia. Je vous invite à la présence du Seigneur. On va faire un moment de fête avant de nous séparer de la présence de Dieu. Alléluia. Je peux vous dire, écoutez-moi bien, frères et sœurs, minute après minute, ou seconde après seconde, jour après jour, la bénédiction de Dieu peut descendre. Amen. Amen. Tant que vous restez connectés avec la bénédiction. Amen. 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 Amen.
là, il n'y a plus. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est bon, on va dire. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Gardez vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez vivre la bénédiction, les miracles du Seigneur, n'attends pas, frères et sœurs, que ça. Il y a un miracle, pardon, qu'il y ait une réunion spéciale en disant là, je vais recevoir une bénédiction, mais je vous dis par expérience, frères et sœurs, parfois, il y a des réunions, mais ça, il y a encore des bénédictions qui nous poursuivent. Comme la parole nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous poursuivent. Amen. Lorsque tu sors dans ce lieu, tu dis, c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'accompagne ce matin. Je suis béni. Tu dors, tu es béni. Tu réveilles, tu es béni. Tu travailles, tu es béni. Tu relâches, tu es béni. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Quelqu'un m'a dit un jour, une personne est venue prêcher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a prêché, mais je me mets à rire. Et pendant qu'il prêchait, il y avait la farine chez lui. Voilà. Je ne sais pas où vous sortez avec ce vêtement-là. Qu'est-ce qu'il va porter, frères et sœurs? Mais je veux que chaque dimanche, le Seigneur renouvelle vos vêtements. Amen. Chaque dimanche, le Seigneur renouvelle vos chaussures, frères et sœurs. Je veux que le Seigneur, le Seigneur renouvelle, je ne sais pas ce que vous avez besoin, mais ne dis pas que je suis quelqu'un simple, je suis quelqu'un qui est humble, mais Dieu, il sait que tu prospères à tous égards. J'ai prophétisé, je dis Seigneur, je veux une voiture neuve. Non, je vous donne une direction. La voiture n'est pas là. Mais je ne pense pas que l'église va acheter une voiture neuve pour moi. Ça, je vais vous prêcher plus tard, frère et soeur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui marche. Dieu me bénit plus que mon papa terrestre. Amen. Amen. Mon papa terrestre n'a pas pu me donner la santé, le salut, etc. Mais Dieu fait au-delà ce que nous pensons, frères et sœurs. Amen. Et apprenez à vos enfants de penser, frères et sœurs, dans l'esprit, ce que je veux venir dimanche prochain. Allons prier pour ce requête. Le frère Joly, approche-toi sur le devant. Il n'est pas là? Il est sorti? Ah, d'accord. On va prier alors. C'est pas grave. On va prier, on demande de... On remercie le Seigneur. Il y a Marie-André qui remercie le Seigneur pour son examen. Il a réussi son examen, son diplôme à titre professionnel. Alléluia. APH pour les personnes, les églises et bien sûr pour le pasteur Julien qui a prié, etc. Et nous donnons toute la gloire à Dieu, frères et sœurs, pour la réussite. Alléluia. Alléluia. Que tu désires, désirer dans l'esprit, non pas dans la chair, et Dieu va te bénir. Amen. Nous allons prier maintenant, on demande de prier pour Elodie, qui, les spécialistes, ont constaté qu'elle a une tumeur à la tête. Nous déclarons qu'elle est guérie ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Même si elle va opérer, nous disons qu'elle est guérie. On va prier aussi pour Soubanad, Jean-Fred, il est à l'hôpital. J'ai prié pour lui. Hier, j'ai demandé bien sûr à la famille de donner une requête à l'église. C'est une personne qui n'est pas encore convertie. On va prier afin que Dieu puisse libérer Jean-Fred Soubal. Alléluia. Lévons nos mains, frères et sœurs, et ensemble relâchons. Pensons à la guérison, frères et sœurs. Quand vous priez même pour vous-même, lorsque vous priez pour les autres personnes, avant que vous ouvrez votre bouche, pensez que dans les mains du ciel de Jésus, ces gens sont guéris. Ces gens sont guéris. Père, nous te remercions d'avance. Nous voulons te dire merci pour la guérison de Jean-Fred Soumana, Seigneur.
Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la guérison d'Élodie, Seigneur. Dieu, nous ne voulons pas nous fixer sur cette réalité, mais nous voulons nous fixer sur la vérité de ta parole. La parole dit dans tes maîtres sûrs, nous avons été guéris. Et maintenant, Seigneur, par la foi, nous pensons, nous voulons, Seigneur, faire venir ce miracle dans la vie d'Élodie et dans la vie de Jean-Fred. Nous commandons, Seigneur, où la médecine est limitée. Dieu, toi, tu as tout pouvoir. Jésus, tu as reçu tout pouvoir dans le ciel. Tu as reçu tout pouvoir sur la terre. Tu as reçu même tout pouvoir sous la terre. C'est-à-dire sur la mort, Seigneur, même sur le séjour des morts et ces maladies. Nous le commandons sur la terre en ton nom, Jésus-Christ. Dieu, merci pour l'autorité du Fils, de ton Fils bien-aimé, que nous pouvons prier, accéder ce matin le miracle dans la vie d'Élodie et Jean-Fred. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ, ils sont guéris. Ils sont guéris. Ils sont guéris. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit travaille. Il y a la guérison pour ces gens-là. Merci Seigneur. Et maintenant, je scelle la guérison dans la vie de ces gens. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'exaucement de nos prières pour notre sœur Marie-André, Seigneur. Merci pour la réussite de son examen, Seigneur. Toute la gloire, toute la reconnaissance, mon Dieu, oh l'honneur est pour toi, Dieu, parce que tu es celui qui nous fait prospérer à tous égards. Et nous te remercions encore pour ta présence. Nous te remercions pour ce culte. Nous te remercions, Dieu, pour ce moment béni. Nous te remercions pour la sainte scène. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour les miracles. Nous te remercions pour les délivrances, Seigneur. Là où tu as libéré les âmes ce matin, qui étaient en captivité. Dieu, merci pour la parole qui nous enrichisse. Merci pour le Père du Saint-Esprit qui a séparé l'âme et l'esprit. Maintenant, nous pouvons faire la différence entre ces deux sièges, l'âme et l'esprit. Nous voulons, Seigneur, penser ce qui est bon. Nous voulons penser la louange, la piété, Seigneur. Ce qui est honneur, Dieu, soit l'objet de nos pensées. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, nous réclamons ta grâce. Nous réclamons ta protection dans ta grâce sur chaque bien-aimé qui vont quitter ce lieu pour se rendre dans leur maison. Et même pour ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, nous réclamons la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu. Nous pensons positivement pour eux. Nous disons qu'ils vont avoir une belle journée, une belle semaine dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous pensons de dire Amen et nous disons Amen. Si tu penses Amen, tu dis Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Et je pense que vous allez quitter ce lieu ce matin, ça va changer beaucoup de choses. Vous allez voir, bien sûr, les choses du royaume d'une autre envergure. Vous allez voir votre frère et sœur aussi d'une autre manière, frères et sœurs, parce que vos pensées ont été libérées dans votre âme. Et dimanche prochain, vos pensées vont être renouvelées dans l'esprit pour accéder à tous les trésors que Dieu nous a laissés dans son royaume. Alléluia.